Pendant le mois de février de chaque année, les Américains rendent un grand hommage au peuple afro-américain pour leur contribution et sacrifices qui ont façonné la nation américaine. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un patrimoine culturel. C'est donc le moment de présenter les grandes réalisations faites par les Afro-Américains ici aux États-Unis d'Amérique, telles que les recherches, les publications et les records. Le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique, c'est l'initiative du docteur Carter Woodson. Il n'y a pas d'histoire américaine sans l'histoire afro-américaine, déclarait Sarah Clapin, directrice exécutive du Centre de recherche et de la politique antiraciste de l'Université américaine de Washington, D.C. L'expérience noire, dit-elle, est intégrée dans tout ce que nous considérons comme l'histoire américaine. L'origine de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique est l'œuvre du docteur Carter Woodson. Eh bien, qui était le docteur Carter Woodson? Il est le père de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Il fut un brillant éducateur et historien. C'est lui qui avait commencé à promouvoir et éduquer les gens sur l'histoire et la culture des Noirs en 1926. Et l'enseignement de l'histoire des Noirs s'est très vite répandu dans les écoles publiques. Le docteur Carter Woodson avait choisi la deuxième semaine du mois de février comme la semaine de l'histoire des Noirs. Les collèges et les universités avaient également commencé à organiser les commémorations pour célébrer l'histoire des Noirs grâce aux étudiants et professeurs de l'Université de Kane en 1970. Et c'est le président Gerald Ford qui avait officiellement reconnu le mois de l'histoire des Noirs lors du bicentenaire des États-Unis d'Amérique en 1976. Le président Gerald Ford avait appelé les Américains à saisir l'occasion d'honorer les réalisations des Noirs dans tous les domaines d'activité tout au long de l'histoire de l'Amérique et de se concentrer vers le progrès et la richesse. Février a été choisi principalement parce que la deuxième semaine du mois de février coïncide avec l'anniversaire d'Abraham Lincoln et de Frederick Douglass. Abraham Lincoln avait joué un rôle important dans l'émancipation des esclaves et Frederick Douglass, un ancien esclave, était un leader éminent du mouvement abolitionniste qui s'est battu pour la fin de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Lincoln et Douglass sont tous nés chacun à la deuxième semaine du mois de février. C'est donc traditionnellement une époque où les Afro-Américains organisaient des célébrations en l'honneur de l'émancipation. Et c'est après 40 ans que le président Gerald Ford va officiellement reconnaître le mois de l'histoire des Noirs. Et Barack Obama, premier président noir des États-Unis d'Amérique, aura l'occasion de délivrer son premier message pendant le mois de l'histoire des Noirs le 18 février 2016 depuis la Maison Blanche, un lieu construit par des esclaves. Chaque année, il y a un nouveau thème qui désigne le mois de l'histoire des Noirs et le thème de cette année, c'est Black Resistance, c'est-à-dire résistance noire. Ce thème est choisi par l'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Afro-Américains. Et ce thème est changé conformément à la pratique établie par le docteur Carter Woodson. Aux États-Unis d'Amérique, les scientifiques opèrent dans un environnement ouvert à l'image de la société américaine. Et ceci attire les plus grands talents du monde entier. Pour que les chercheurs puissent relever certains grands défis au monde,
en vue d'améliorer la santé humaine, protéger l'environnement. La recherche scientifique doit être transparente et collaborative. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le docteur Tongele. Il est professeur à l'Université catholique de Washington, D.C. Il est docteur en génie mécanique. Bon après-midi, professeur Tongele. Vous êtes professeur en génie mécanique à l'Université catholique de Washington, D.C. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Alors, comment vous célébrez ce mois dans votre département de génie mécanique? Avez-vous prévu de présenter une invention qui est en gestation? Ah, merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, l'Amérique a une grande contribution de Noirs américains qui n'est pas toujours reconnue. En ce qui concerne mon université, oui, je travaille sur des projets avec mon équipe de chercheurs. Ce sont mes étudiants de master et de doctorat. Le projet le plus frappant que nous sommes en train de travailler là-dessus maintenant, c'est le projet de cellules photovoltaïques. Donc, nous voudrions inventer, nous sommes en train d'expérimenter avec ça, inventer cellules photovoltaïques. Une fois mises ensemble pour créer un panneau solaire, nous voudrions que ça soit un panneau solaire en miniature. Par exemple, le format d'une feuille de papier A4, mais capable d'absorber et de transformer suffisamment d'énergie solaire pour alimenter une maison habitée par une famille au moins pendant 24 heures. Donc, voilà un peu, ça serait une révolution dans le monde entier, si vraiment on y arrive. Ce n'est pas seulement mon équipe, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup des universités aux États-Unis qui font ces recherches-là, et l'équipe gagnante sera la vedette, et nous espérons être cette vedette. Ah, merci. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage dont le thème est « Stopping the slow death of the planet Earth », c'est-à-dire « Arrêter la mort lente de la planète Terre ». Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce que vous avez vous voulez montrer au public à travers votre ouvrage? Merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, l'Afrique a toujours soutenu l'humanité. Depuis le commencement du monde, tout le monde reconnaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, l'humanité, c'est ce qu'elle est à cause de l'Afrique. Cet ouvrage, c'est parce qu'aujourd'hui, et les matières premières, et la forêt équatoriale de l'Afrique, soutient la planète Terre. Alors, ce que je voudrais montrer, ce que j'ai démontré dans ce livre, c'est que les Africains, d'une part, doivent comprendre qu'il ne suffit pas de posséder ces matières premières, ces forêts, mais il faut les transformer de façon avec des technologies non polluantes, de façon que ce support de la planète ne soit pas seulement passif, c'est-à-dire parce que les choses sont là, mais parce que nous les transformons non pas à la manière conventionnelle avec des pollutions dans l'air, mais nous les transformons de façon que la planète soit toujours conservée, mais que ces matières premières soient transformées sur place en Afrique pour pouvoir résoudre nos propres problèmes et aussi servir l'humanité. Merci beaucoup, professeur Tongele, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Le Canada célèbre aussi l'histoire des Noirs pendant le mois de février, tandis que l'Angleterre et l'Irlande le font pendant le mois d'octobre. Parfait, Thierry Mbousse. Depuis le monument du docteur Carl Woodson, ici à Washington, D.C., pour Africa News USA.